Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. En ce dimanche 1er avril, je vous propose une J'écris. Je me fais un petit plaisir et je vais vous présenter donc un agenda électronique, enfin, ce qui s'appelait un agenda électronique lorsque Palm, l'un des premiers, a sorti ce type de machine. Encore, je fais abstraction des Psions qui sont les vrais premiers ordinateurs de poche. Donc voilà, j'ai décidé de vous présenter mon agenda électronique. Un petit peu plus évolué, je vous le rassure, je vous assure tout de suite. Voilà, donc il s'agit d'un HP 4700, un Pocket PC VGA qui était produit par HP. On en trouve de moins en moins aujourd'hui. Préférez lui un Dell qui présente des fonctionnalités au moins aussi développées. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce produit. Donc un agenda électronique, qu'est-ce que c'est? Effectivement, ça vous permet de gérer vos contacts, de gérer votre agenda. Pour ma part, je ne l'utilise pas du tout pour ça, je l'utilise pour bien d'autres choses et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui de façon assez rapide, un rapide tour d'horizon de ce que l'on peut faire avec ce type de produit. Mais ce type de produit, effectivement, il pourrait se suffire à lui-même, un grand écran VGA, un certain nombre de connectivités, que ce soit en Bluetooth, que ce soit en Wi-Fi, pour un geek comme moi, c'est pas suffisant. Donc, première chose, on a envie de l'avoir tout le temps avec soi, y compris dans sa voiture. Dans sa voiture, autant qu'il serve, eh bien, on va lui adjoindre un GPS Bluetooth, qui va donc permettre de transformer cet écran en récepteur GPS, et ainsi vous guider dans vos parcours professionnels ou personnels. Lorsque l'on souhaite travailler avec un tel produit, on aime avoir un vrai confort d'utilisation, et donc, si possible, un clavier plutôt que d'utiliser l'écran tactile. Ni une ni deux, Compact proposait ce clavier. Voilà, un clavier ergonomique, parfait, qui permet un confort de frappe fantastique, et donc que j'utilise régulièrement, également lors de mes déplacements, plutôt personnels, parce que j'utilise plutôt un PC portable d'un point de vue professionnel. Voilà donc, clavier très sympa. Et puis, lorsque l'on est geek jusqu'au bout et que l'on souhaite vraiment un confort d'utilisation identique à celui d'un PC, bien, ni une ni deux, il vous faut également votre souris, une souris Bluetooth qui vous permet donc de transformer cet ensemble en un véritable PC. Voilà, donc je vous fais un rapide tour d'horizon dans quelques instants de ce que peut faire ce produit. Je ne m'attarderai bien évidemment pas sur tout ce qui concerne la gestion des contacts et des agendas que tout le monde connaît. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc nous voici de retour pour voir un petit peu plus en détail ma J'écris. Donc je vous propose une petite revue de ce que peut faire ce produit. Je ne vais pour cela pas utiliser le stylet qui est bien évidemment fourni avec, mais j'ai jusqu'au bout la petite souris Bluetooth et mon clavier. Donc si nous regardons d'un petit peu plus près, ce premier écran que j'ai paramétré pour cette démonstration, nous pouvons voir donc un certain nombre de logiciels sont fournis avec ou non, mais permettent de faire d'autres choses que simplement de la consultation d'agenda ou de la mise à jour de contacts. Par exemple, vous avez donc sur les Pocket PC qui sont fournis par Microsoft, enfin qui sont munis du système d'exploitation de Microsoft, à savoir ou Windows Mobile 5, plus tard version 6, ou pour les plus anciens comme celui-ci, Windows version 2003, Windows CE version 2003 seconde édition, vous avez sur tous ces produits Pocket Word et Pocket Excel. Donc sur Word, vous allez pouvoir faire exactement tout ce que vous faites sur un Word normal, avec quelques capacités en moins bien sûr, mais vous pouvez taper du texte très facilement, vous pouvez le mettre en forme, vous pouvez récupérer un document Word, le convertir en Pocket Word pour qu'il soit un petit peu plus léger, etc. Donc déjà, un premier outil assez sympa. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous avez également Pocket Excel, qui vous permet donc de son côté d'utiliser donc le tableur Excel, encore une fois une version allégée, qui n'a pas toutes les fonctionnalités des dernières versions pour XP par exemple, mais qui déjà permet de faire les principales opérations. Bien évidemment, vous disposez d'un certain nombre de fonctions qui sont fournies avec Pocket Excel, et vous voyez, il y en a quand même un certain nombre, donc vous avez largement de quoi faire déjà avec ce produit. Donc déjà avec ces deux outils, nous nous éloignons déjà d'un simple agenda électronique pour nous orienter vers un petit ordinateur de poche.
Donc voici deux outils que tout le monde s'attend à voir bien sûr sur ce type de produit. Un autre outil, bien évidemment, Internet. Pour peu que vous ayez donc ou accès à une connexion Wi-Fi ou via Bluetooth accès à une connexion GPRS par exemple de votre téléphone portable, vous allez pouvoir surfer sur Internet. Alors voici un exemple, j'ai choisi le site bien connu Tablette PC Corner, une spéciale dédicace pour HP Clean. Donc là, vous avez toutes les fonctionnalités d'Internet. Vous pouvez aller ou sur des versions réduites comme celle-ci ou directement aller sur le site en version complète. Attention, bien évidemment, s'agissant là de toute la version du site, ce sera un petit peu long à s'afficher, même avec un Wi-Fi assez poussé, mais vous pouvez très bien accéder à des sites qui ne sont pas optimisés pour un Pocket PC. Vous voyez, là, vous avez accès aux nouvelles qui sont directement sur le site. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez bien évidemment également consulter vos mails tout ce que peut faire Internet. J'avais fait une petite démonstration de l'ASIP lors d'une précédente vidéo. Voilà. Donc, un certain nombre de produits, je dirais, assez classiques. Autre produit, bien évidemment, tout ce qui peut toucher la vidéo. Alors, la vidéo, nous avons, par exemple, la vidéo ou les images en général. Là, nous avons un produit qui vous permet d'aller regarder des images, de les retoucher, les redimensionner. Bref, un petit Photoshop sur votre Pocket PC. Voilà, premier exemple. Autre type de produit, bien évidemment, la vidéo. Alors, la vidéo, là, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez la possibilité, grâce à un outil comme TCP/MP, de visualiser des films au format DivX, par exemple. Nous y reviendrons dans quelques instants. Autre point assez intéressant, donc je l'évoquais tout à l'heure, le GPS. Là, sur ce produit, j'ai installé Destinator, qui est donc là, vous l'avez en version VGA. Donc, j'ai fait en sorte qu'il s'affiche avec un maximum de résolution. Et donc avec ce produit, j'ai la possibilité de me diriger en France avec donc le GPS Bluetooth que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, voilà, vous avez toutes les cartes. Donc c'est un petit peu moins ergonomique qu'en version Quick VGA, enfin 320 par 240. Là, vous avez donc les rues qui sont affichées en tout petit. Voilà. Donc un autre exemple de ce qui peut être fait avec ce type de Antenne produit. GPS non trouvée. Voilà, normal, il n'est pas activé. Donc autre possibilité, vous avez également une encyclopédie. Vous pouvez mettre une encyclopédie sur ce produit. Alors vous connaissez tous Wikipédia, que vous pouvez consulter via Internet. Si vous n'avez pas accès à une connexion Internet, vous avez la possibilité via TomRaider, un produit donc qui n'est pas gratuit, bien d'accéder à l'encyclopédie qui date de, je crois que c'est une version de 2005, mais qui est tout à fait pertinente. Vous avez la possibilité donc d'aller par exemple consulter ce qu'est un Pocket PC. Voilà, hop, un Microsoft Pocket PC. Et voilà, vous avez toute la définition de ce qu'est un Pocket PC ici. Donc voilà, vous voyez, que ce soit pour travailler, que ce soit pour consulter Internet, que ce soit pour aller consulter une encyclopédie, vous avez déjà un bon nombre de produits qui sont donc accessibles via cet outil. Donc j'évoquais tout à l'heure la vidéo. Donc la vidéo, assez intéressant, donc je vais rebasculer. Voilà, sous ce format, donc vous pouvez basculer l'affichage, comme ceci. Voilà. C'est un petit peu plus confortable pour observer de la vidéo sous ce format. Donc voilà. Donc là, vous avez la possibilité. Eh bien, voilà. Je laisse les images parler. Donc le son, hein, c'est pas le son d'origine. Je l'ai relié, bien évidemment, à une enceinte. Voilà. Donc qualité d'image parfaite. Il est bien évidemment possible de mixer les technologies en combinant par exemple de la lecture vidéo via Internet, un streaming vidéo, un journal en direct d'une chaîne de télévision par exemple. Voilà, donc je vais terminer par une application un petit peu plus exotique. Voilà, donc je vais rebasculer en mode portrait. Voilà, donc une application un petit peu plus exotique qui permet donc de lire
de faire lire au produit un texte. Donc voilà, j'ai créé un petit fichier texte que je vais ouvrir. Voilà. Et donc ce fichier au format TXT va être lu par le produit. Bienvenue sur le site de mobile et tactile. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit aperçu des nombreuses possibilités qui sont offertes par un Pocket PC ou un PDA en général vous ont donné satisfaction. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog de Mobile et Tactile. Merci, au revoir.